Nous allons maintenant parler d'écologie. L'écologie, c'est en fait l'étude de comment la vie interagit avec d'autres vies, et donc comment les êtres vivants interagissent entre eux et avec leur environnement. Et donc, on peut parler de comment la vie interagit avec les êtres vivants. C'est ce qu'on va appeler les facteurs biotiques. Les facteurs biotiques. Tu as le mot bio dans biotique qui signifie vie. Ou comment la vie interagit avec des choses non vivantes. Et ça, ce sont les facteurs abiotiques. Les facteurs abiotiques. Le A, il veut dire non. Ça vient du grec. Ça veut dire non vivant, du coup. Donc, ceci, ce sont juste les termes techniques. Mais donc, si tu penses à toi, toi qui es dans un environnement et que tu interagis avec lui, il y a plein de facteurs abiotiques autour de toi avec lesquels tu interagis. Par exemple, l'air que tu respires, la température, ton accès à l'eau. Il y a aussi des facteurs biotiques. Si tu penses être dans une pièce tout seul, ben, en fait, tu n'es pas complètement seul. Il y a des bactéries tout autour de toi que tu ne vois pas. Il y a peut-être aussi une plante dans la pièce, un insecte. Tout ça, ce sont des facteurs biotiques avec lesquels tu interagis. Cette plante qui est dans la pièce produit de l'oxygène, que toi, tu vas peut-être respirer. Et toi, tu produis du dioxyde de carbone que la plante va transformer et utiliser pour grandir. Et la plante, elle pourrait être en train d'interagir avec des facteurs abiotiques, par exemple la lumière du soleil, afin de faire la photosynthèse et de fixer le carbone. On étudie tout ça en profondeur en biologie. Et l'écologie, c'est un peu comme une synthèse de tout ce qu'on étudie en biologie, parce qu'elle étudie la vie à un autre niveau, à un niveau plus global. C'est pas juste à un niveau individuel, et pas non plus juste à un niveau des populations ou des communautés. On parle de systèmes encore plus grands, vraiment très complexes. Et c'est pourquoi c'est vraiment super intéressant à étudier. Toutes les images qui sont ici sont des choses que les gens associent à un écosystème. Ici, par exemple, on a un récif corallien. Et certains éléments de la vie sont évidents, comme le corail, les poissons. Mais il y a aussi de la vie qu'on ne voit pas, qui n'est pas visible sur cette image. Il y a plein de bactéries dans cet environnement. Et les facteurs abiotiques, ce seraient des choses comme la température de l'eau, ou même juste l'existence de l'eau, ou la concentration en sel, ou d'autres minéraux qui se trouvent dans l'eau. Et sur les images ici, tu vois qu'on n'a pas directement de la vie animale. Mais si on zoome sur l'herbe ou sur ses broussailles, en fait, on va trouver de la vie animale, des insectes, des autres petits animaux. Et les arbres aussi sont vie. Ils font partie de l'écosystème. Quand on étudie la biologie, on peut donc se demander comment ces arbres interagissent avec l'eau, avec les autres espèces, comment ils fournissent un abri ou de la nourriture à ces espèces, comment ils dépendent des autres vies pour grandir. De même, ces champignons ici. Comment ces champignons peuvent-ils vivre sur cette racine de l'arbre, en conjonction avec la mousse et tout le reste? Tout ça, c'est donc l'étude de l'écologie, l'étude des écosystèmes. Quand les gens parlent d'écologie, ils aiment parler de différentes échelles. Donc voyons un peu voir ces différentes échelles qu'on peut trouver dans un écosystème et même au-delà d'un écosystème. Ici, j'ai quelques images qu'on trouve souvent dans une présentation sur la vie sauvage. Donc tu es sûrement familier avec ce genre d'image, au moins à la télé. Peut-être même que tu as eu la chance d'en voir en vrai. Voyons voir les différents personnages qu'on retrouve ici. On a donc un lion, une girafe et des éléphants. Et comment vont-ils nous aider à comprendre ces différentes échelles écologiques qu'on peut trouver? Donc l'échelle la plus basique, ce sont les individus. Les individus. Donc si nous parlons des éléphants, eh bien un individu, c'est un éléphant. L'échelle suivante, c'est la population. Donc, si nous sommes toujours dans notre savane africaine avec ces éléphants, la population, ce serait les membres de la même espèce qui vivent dans cette région. Donc, ça comprendrait au moins tous les éléphants qui sont sur cette image, et peut-être deux, trois autres en plus. Et donc, en particulier, je devrais parler des éléphants d'Afrique, donc les membres d'une même espèce qui vivent au même endroit. Pour que les scientifiques puissent classer tout ça, on va devoir donc définir ce que ça veut dire de vivre au même endroit. On pourrait dire que ce sont donc les personnes, enfin les éléphants, qui vivent dans un certain rayon de ce point d'eau. On pourrait dire que ce sont les éléphants qui vivent dans une région plus large, qui vivent par exemple dans l'est de l'Afrique ou le sud de l'Afrique. Peu importe, l'important c'est de définir. Donc définir une population, c'est définir les membres d'une espèce qui vivent dans une région qu'il faut donc définir. Le niveau suivant, c'est la communauté. Et ça, ce sont tous les êtres vivants qui vivent dans cette région. Peu importe comment on définit la zone. Donc par exemple, si ce lion et cette girafe vivent dans la même région
que celle qu'on a utilisée pour définir notre population d'éléphants, ils feraient partie de la même communauté. Et ce ne serait pas juste ces grands animaux que tu vois ici, cela inclut toute la vie qui se trouve dans cette région. Et ça inclut la végétation qui se trouve dans cette zone, les bactéries, les champignons et tous les animaux qui vivent dans cette eau-là. Et si on voit encore un niveau plus loin, on arrive aux écosystèmes. Aux écosystèmes. Et un écosystème, ce sont tous les êtres vivants de notre communauté. Mais nous y ajoutons aussi tous les éléments non vivants, donc les facteurs abiotiques. On inclut les pierres, l'air, la température, la météo, l'eau en elle-même, qui fait partie de ce point d'eau. Et donc souvent, on pense que les facteurs abiotiques, évidemment, affectent les facteurs biotiques. Donc, les facteurs abiotiques affectent les facteurs biotiques. Si on n'a pas d'eau ou pas une bonne température pour se refroidir, se réchauffer, eh ben, ça va être difficile pour certains types de vie de fleurir, de grandir. Mais ça va dans les deux sens. Les facteurs biotiques influencent aussi les facteurs abiotiques. Si on a de l'oxygène dans notre environnement, c'est grâce à la vie sur Terre. Ils peuvent aussi affecter la composition chimique de certains facteurs abiotiques comme l'eau, la composition du sol. Si on veut aller encore un niveau plus loin, on arrive à la biosphère. Tu peux voir ça comme un méta-écosystème. Moi, souvent, je vois ça comme ce qui contient tous les écosystèmes, qui sont d'une certaine manière connectés les uns aux autres, donc qui englobent tous les écosystèmes. La biosphère, c'est en fait ce à quoi on fait le plus souvent référence quand on parle de toute la planète Terre. C'est la plus connue. La Terre a donc de nombreux écosystèmes. Et un écosystème dépend de la façon dont les chercheurs vont vouloir le définir. Donc prenons notre planète Terre ici. Les chercheurs peuvent décider que l'écosystème en entier, c'est tout l'écosystème qui se trouve autour de cette rivière, par exemple-là. Ou ils peuvent décider que c'est toute cette région-là. On peut avoir un écosystème ici, un écosystème ici. Tout ça dépend de la définition. Mais tous les écosystèmes du monde font partie de la biosphère qu'on appelle la Terre. Et alors, on pense qu'il n'y a pas tellement d'influence de l'extérieur de la Terre. Mais en fait, on doit quand même donner de l'importance au Soleil, qui nous fournit évidemment des facteurs abiotiques. On n'aurait pas de vie telle que nous la connaissons sans l'apport du Soleil, qui nous fournit notamment la lumière du Soleil. Et puis, il y a la Lune et son effet gravitationnel, qu'on peut aussi considérer comme un facteur abiotique. Sans les marées, nous n'aurions pas la vie telle que nous la connaissons. Mais une chose qui est vraiment fun, surtout quand on aime la science-fiction, c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on aurait comme biosphère si on s'intéresse à ce qu'il se passe au-delà de la Terre. Et l'image qu'on a ici, elle vient du site de la NASA. C'est comment les humains pourraient créer des biosphères en dehors de la planète. C'est cette chose assez intéressante, qu'on aurait des terres ici, qu'on crée artificiellement, et puis on fait tourner le tout pour avoir une sensation de gravitation. Enfin, peu importe, l'étude des écosystèmes, des biosphères, de l'écologie en général, est souvent complètement fascinante. Parce qu'avec toute cette complexité, on a aussi que chaque être vivant est incroyablement complexe. On pourrait presque considérer qu'une partie d'un être vivant, c'est déjà tout un écosystème en soi. Si tu regardes juste la surface de ta main, eh bien, il y a des bactéries qui y vivent, qui dépendent de toi d'une certaine façon. Et peut-être que toi, tu en bénéficies ou au contraire, elles vont te blesser. Donc, il y a toutes sortes d'échelles. Et quand on commence à assembler tout ça ensemble, ça nous donne des écosystèmes incroyablement complexes et beaux. Souvent des écosystèmes en équilibre, mais parfois aussi en déséquilibre, qui ont du coup des propriétés émergentes, des nouvelles propriétés. Voilà donc tout le sujet des écosystèmes.